Benjamin Bonzi est de retour. Victime d'une blessure au poignet à Monte-Carlo, qui l'a privé de la saison sur terre battue puis a causé une série de 6 défaites d'affilée en juin-juillet pour son retour à la compétition. Le désormais 108e mondial ne semble plus souffrir, et le voici au 3e tour de l'US Open pour la première fois de sa carrière, et la 2e fois en grand chelem après l'Open d'Australie en janvier dernier. Tombeur de Quentin Alice au premier tour, le gardois a éliminé Christopher Eubank en 4-7 et 3h03 de jeu, 7-6, 2-6, 6-2, 7-6. Face à cet adversaire qu'il avait battu sur le gazon de Newport l'an passé avant de se faire éliminer 2 semaines plus tard sur les courts en dur de Washington, le Français a brillé au service, avec 19-15 pour son adversaire et 2 breaks concédés en 2 occasions. Dans un premier set sans la moindre balle de break, Bonzi a fait la différence au jeu décisif, remporté 8-6 sur sa 3e balle de set. Mais dans la 2e manche, son jeu s'est délité et l'Américain, 30e mondial et récent quart de finaliste à Wimbledon, en a profité, break à 1-1 et 4-2 en seulement 2 occasions, et égalisation à 1 manche partout. Heureusement, Benjamin Bonzi a réussi à retrouver le fil de son match. Alors que les deux joueurs étaient à 2-2 dans le 3e set, il a accéléré et gagné 4 jeux de suite pour prendre les commandes du match. Mais Christopher Eubank n'est pas tête de série pour rien dans ce tournoi. Après avoir sauvé 4 balles de 2-0 dans le 4e set, le natif d'Atlanta a parfaitement tenu dans les jeux suivants, grâce notamment à son service. Mais à 5-5 sur le service de Bonzi, l'Américain a soudainement balancé le jeu avant de se précipiter aux toilettes. Les maux d'estomac dont il avait souffert lors de son premier tour n'étaient visiblement pas résolus. De retour, en retard, il a écopé d'un « time violation », finalement sans conséquence. Eubank a en effet remporté son jeu de service pour disputer un tie-break. Et dans ce jeu décisif où les deux joueurs ont alterné le bon et le moins bon, Bonzi l'a finalement emporté 9-7 sur sa 3e balle de match. Il y aura donc au moins un Français au 3e tour. Et il aura en plus un bon coup à jouer, face à Dominik Stricker, certes tombeur de Stefanos Tsitsipas, mais moins bien classé que le gardois 128e, qu'il n'a encore jamais affronté.